un fil qui dépasse, un manque de place, le besoin de fixer un objet sans faire de trou. Dans cette vidéo, on vous partage nos 7 objets préférés qui nous facilitent considérablement la vie depuis que nous sommes en fourgon aménagé. Ça marche si vous êtes en van ou en camping-car. Restez bien jusqu'à la fin parce que le dernier objet, on l'a cherché longtemps, mais réellement, il a transformé notre quotidien, surtout le soir. Nous sommes Caroline et Steve. Entrepreneurs nomades, nous avons décidé de vivre à l'année dans notre fourgon aménagé et de vous partager nos désirs, nos défis et notre philosophie sur les routes. Avant de te présenter les objets, je voulais te dire un secret. Il y aura les liens de certains d'entre eux dans la description. Et en toute transparence, ce sont des liens d'affiliation. Ça veut dire que si tu fais un achat au travers de ce lien, je deviendrai millionnaire. Je dis ça. Ah non, merde, putain, je peux pas dire ça. Oh, chier. Sur José, on n'a pas de lumière extérieure. Et pendant la première année, en fait, j'ai cherché une solution pour pouvoir avoir une lumière extérieure qui se déclenche seulement quand je passe devant. Et c'est là, au miracle, que nous avons trouvé cette petite lumière magnifique, très belle courbe, n'est-ce pas, qui a cet avantage effectivement d'avoir un capteur ici et de pouvoir s'éclairer dès qu'on passe devant. De plus, sur le dessus, c'est un petit panneau solaire, ce qui permet du coup d'avoir une lumière qui se recharge au soleil, mais du coup qui ne nécessite pas de pile. Ça, c'est plutôt cool. Pour fixer ceci, la meilleure stratégie que nous avons trouvée, c'est de mettre des bandes adhésives qui sont magnétiques. On en a mis 3, 1, 2 et 3 pour que vraiment ça adhère bien sur la carrosserie. L'avantage de cette lampe, en tout cas, elle a deux utilités. Évidemment, la première est évidente, c'est de nous éclairer. Donc, on va la poser juste au-dessus de la porte, par exemple, sur les portes arrière. Et elle a aussi cette utilité de pouvoir repousser éventuellement les personnes qui s'approchent. En tout cas, de les dissuader le fait que la lumière s'allume. Cette lumière-là, elle a là. Cette lumière-là, là, 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 pardon. Donc cette lumière, elle a je ne sais plus combien de LED, ok, parce que je n'ai pas fait très bien mes devoirs. Mais par contre, elle a un tout petit bouton ici qui permet d'avoir différentes puissances. Donc on peut allumer soit toutes les LED, et là c'est pleine puissance, soit tout simplement quelques-unes d'entre elles pour avoir une lumière un peu plus d'ambiance ou tamisée. Alors attention, petite précaution à prendre quand même, lorsque vous partez, que vous reprenez la route, pensez bien à les retirer, parce que même si ça tient bien, c'est quand même bien de ne pas prendre le risque, et ça vous arrivera, ça nous est arrivé, d'accord. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on met 3 bandes adhésives pour que vraiment ça adhère, en cas d'oubli, au moins elles tiendront, et on a fait des kilomètres comme ça, mais on veut essayer quand même d'éviter. Je sais pas quoi dire, moi. Tu m'as largué là toute seule. Ben, tu présentes les tokis, c'est pas si compliqué normalement. Bah, pour toi, c'est pas compliqué, mais pour moi, c'est pas simple. Alors, ramène tes fesses. Ben, j'arrive alors. Mais c'est toi qui vas le faire quand même. On a pris les tokis quand on part faire de la photo ou de la vidéo parce que c'est hyper pratique. On est tous des fois dans des endroits où on capte pas et on part chacun de notre côté. Donc, pour communiquer, et ben, c'est hyper facile. Et en plus, on s'est rendu compte en les utilisant que depuis qu'on a José, c'est encore plus pratique quand on doit passer dans des rues où c'est hyper étroit et que Steve, il a besoin que je sois, parce que dans ces cas-là, c'est toujours Steve qui conduit, c'est pas moi. Moi, je ne conduis pas quand c'est serré. Et bah du coup, Steve, il est avec un toki, moi à l'extérieur, et je lui dis si ça passe ou pas. Mais aussi, pour se garer, au lieu d'avoir les vitres et de faire des grands gestes comme ça et comme ça et comme ça, les tokis, c'est pratique. L'avantage aussi, c'est qu'ils ont une batterie qui dure vachement longtemps. On peut les recharger avec de l'USB et ils ont des casques aussi. Donc, vraiment un achat qui n'est pas du tout inutile. Et en plus, ils sont waterproof. Plouf. Je suis drôle, hein.
J'essaye d'être drôle, hein. Et en plus, il y a Steve derrière la caméra qui se marre comme un cochon, c'est dégueulasse. Alors, nouvel objet ici que moi je trouve absolument génial. Je suis super content d'avoir trouvé ça. Peut-être que vous connaissez déjà ce genre de produit. C'est ceci. Qu'est-ce que donc que cela allez-vous me dire? Eh bien, tout simplement, c'est un système de velcro. Vous voyez, qui permet d'accrocher tout un tas de choses dans le véhicule sans faire de trous. Par exemple, une multiprise, tout bêtement. Je colle ici un velcro, j'en colle un deuxième ici, et je vais mettre celui-là, hop, dessus. Je vais enlever le double face et je vais le fixer là où je veux voir ma prise de courant. Et du coup, et ça tient vraiment bien, je peux la mettre et l'enlever au besoin, mais au moins, elle ne traîne pas dans les pattes, elle ne traîne pas dans les pieds. Je m'en sers pour beaucoup de choses. Par exemple, ici, j'ai différents matériels qui nous permettent de mettre nos batteries en charge, tout simplement. Donc, je le remets et on va pouvoir charger notre matériel. Et le truc, il est en place. On arrête de le chercher partout. On sait où il est. Donc, j'ai ça pour différents. Un autre ici, chargeur de batterie pour la GoPro, par exemple. Même le routeur qui est ici est fixé de cette façon. C'est utile pour ça, mais il y en a un autre format d'ailleurs qui est celui-ci, beaucoup plus fin. Hein, vous avez peut-être déjà vu ça. Donc, le gobelet dans la salle de bain, vous savez, le gobelet avec lequel on se rince les dents, plutôt que de le voir se balader et partir dans tous les sens, hop, on a collé la petite languette derrière, on en a collé une autre sur le mur, et voilà. Donc, ceux-là sont beaucoup moins puissants, et ça suffit pour un petit gobelet qui est en plastique, hein, qui tient comme ça. Et voilà, on va le coller comme ça. Donc franchement, ce genre de produit-là, nous, on en a un petit stock. Voilà, dès qu'on a des trucs à coller sous la table, des prises, des chargeurs, plein de trucs comme ça, on va utiliser ça. Et franchement, ça fait une différence. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Ah ouais. Voilà, très pratique quand on est chauve. Ça, ça reste entre nous. Hein. Vous pouvez, si vous êtes fatigué, vous défaites un scratch, vous le collez ici derrière le crâne, d'accord? Et vous en mettez un autre sur un des murs de votre fourgon. Vous pouvez, clac, scratcher votre tête et vous reposer comme ça. Non, mais ça marche. Je suis vraiment désolé là, de ce qui se passe. Je suis vraiment, vraiment désolé. J'aurais essayé de faire un peu d'humour, c'est pas grave. Là, je pars comme si le camion était grand. En fait, j'ai plus de place. Nous, les gens qui vivons sur la route, nous avons tous un point commun. On adore les guirlandes. Eh oui, qui n'a pas sa petite guirlande? Alors, une comme ça, nous, on aime bien celle-ci. On en a d'autres qui sont un peu différentes. Mais peu importe. Quand on a une guirlande comme ça, eh bien, le souci, c'est comment faire pour pouvoir la fixer sur les cloisons sans forcément mettre des épingles, faire des petits trous, mettre des agrafes ou mettre du scotch, avoir quelque chose de discret qui ne se voit pas trop. On peut imaginer, je ne vous en ai pas parlé, mais on peut imaginer mettre du petit scotch double face. C'est pas mal comme idée de mettre un petit scotch double face. Et nous, on a trouvé autre chose. On a trouvé ce petit système-ci. Voilà, une petite plaquette. Donc, ce sont des petites attaches. Je vais en défaire une. Je vais vous montrer. J'espère que vous le verrez bien à la caméra, mais je vais vous faire un plan juste à côté. Mais vous voyez, c'est tout petit, c'est transparent. Et véritablement, le fil, il va pouvoir passer, hop, dedans, tout simplement. Évidemment, ça va venir avec une petite double face ici, qui va se fixer derrière, comme ceci. On enlève la partie et on colle. Voilà, c'est tout bête, hein, mais ça marche plutôt bien. C'est un tout petit format. Il en existe des plus gros formats. Je vous mets une image en illustration. Plus gros format pour les plus gros câbles, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool d'en avoir de côté. Ça peut toujours servir. Le voici, le voilà, le sac de compression. On l'utilise, nous, à chaque changement de saison,
pour switcher les affaires d'été, les affaires d'hiver, mettre une polaire, les duvets. Et en fait, quand on aspire le contenu de l'air, ça perd 80% de son volume. Nous, pour enlever l'air, on utilise notre super aspirateur, mais on peut utiliser aussi une pompe manuelle. C'est moins pratique, c'est sûr. On l'a mis dans les objets de confort, mais franchement, moi, je l'aurais mis dans les objets indispensables. Pour moi, c'est non négligeable de l'avoir dans un fourgon aménagé ou dans un camping-car quand on vit comme nous à l'année. Ça permet vraiment de gagner énormément de place. C'est pas quand même rien, hein? Ceci n'est pas un tablier pour la cuisine. Ceci est pour les messieurs très barbus ou les filles qui ont besoin de se couper les cheveux dans le camion et pas en foutre partout. Ou les femmes à barbe. Ou les femmes à barbe. C'est hyper pratique. Il y a un petit velcro. On met autour du cou. Ça nous fait comme un tablier. On se retourne. On prend le petit crochet qu'on vient poser. J'en ai un de chaque côté. Je remonte. Je fixe de chaque côté. Je prends de quoi me raser. J'y vais. Tranquille. Tout tombe là. Une fois que j'ai fini, je fais attention, je replie, hop, je détache, j'ouvre ma petite fenêtre et... Chez le voisin, ou pour les oiseaux, pour faire leur nid, voilà. Il faut avoir des grands poils de barbe quand même. Bah attends, ah ouais, si ça leur sert évidemment. Putain, tu veux dire que dans la nature il y a des oiseaux qui ont fait des nids avec ma barbe? Ouais. Ah ouais, ça fait quelque chose. Avec Caroline, on regarde la télé sur une tablette, ok? Donc, on regarde principalement des séries Netflix, par exemple, des documentaires et des choses comme ça. Puis, ça me sert aussi pour le travail, pour avoir un second écran quand j'offre mes coachings, mes accompagnements, mais aussi quand je monte mes vidéos. Et pendant la première année, puisque nous n'avons pas un grand salon, pour nous, le plus confortable, c'est de regarder nos émissions, nos séries dans le lit. Alors, nous étions allongés avec ceci sur les genoux et il y en avait toujours un des deux qui avait ceci sur les genoux. Et donc, ce n'était pas franchement pratique. Dès qu'on bougeait ou quoi que ce soit, ben, voilà, ce n'était pas top. Donc, on a cherché effectivement un système pour pouvoir le fixer tout simplement et pouvoir regarder la télé, on va dire, pour faire simple, la tablette, pour pouvoir la regarder sans devoir l'avoir sur les genoux. On a fait plusieurs essais, on a testé plusieurs matériels, et donc nous avons enfin trouvé ce système-là, qui est tout en aluminium. Donc je peux vous dire, c'est du méga solide. Ici, en plus, on a des clés Allen, on a des fixations par des vis Allen, je ne sais plus que c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas, on va pouvoir travailler avec ça pour vraiment serrer. Et vous voyez, ça ne se plie pas si facilement que ça. Parce que souvent, avec ce genre de tablette, comme ça pèse un petit peu son poids, on avait des systèmes où on met la tablette et le truc, bouh, il se pliait comme ça. Là, ça ne bronche pas une seconde. C'est articulé, hyper bien articulé dans tous les sens. On a des systèmes de fixation ici qui permettent d'y arriver. Et on a ici le... La petite mâchoire, en fait, qui va permettre de fixer. Donc nous, avec des systèmes de protection en dessous, nous, on va le fixer, par exemple, sur le lanterneau. Donc, je vous montre. On va généralement le fixer, vous voyez, ici, dans le lanterneau. Il n'y a plus qu'à visser. Voilà. Et ensuite, on va fixer la tablette directement sur la mâchoire. Et ça y est, notre télé est installée. On n'a plus qu'à s'allonger confortablement pour profiter de notre télé qu'on peut ajuster, hop, en fonction de nos besoins. Et franchement, moi, je trouve que c'est le kiff. Avec une mâchoire qui
qui va jusqu'à 12,9 pouces. Et comme je vous le disais, ça a une autre utilité, c'est-à-dire que si je le fixe à la table, eh bien, je vais pouvoir l'avoir comme second écran pour travailler en plus de mon ordinateur. Moi, cet objet-là, je le trouve vraiment top. On vous met le lien en description. Nous avons beaucoup d'autres objets comme ça que nous pourrions vous présenter. Quelques-uns en tout cas. Oui, quelques-uns quand même. Alors si ça vous intéresse, vous nous le direz en commentaire sous cette vidéo. Et puis peut-être que vous avez aussi vos petits objets comme ça qui font, qui améliorent votre quotidien sur les routes. Par contre, on est d'accord, il y a l'utile et il y a le futile. C'est ça. Et c'est important de bien se poser la question quand vous achetez ce genre d'objet pour savoir si c'est vraiment utile pour vous ou si ça vous paraît futile. Parce que loin de nous, l'intention évidemment de vous pousser à consommer quoi que ce soit, quand on choisit ce mode de vie, très souvent on a quand même une tendance minimaliste, bien que nous, nous ne soyons pas du tout extrémistes dans ce sens, non. Dans aucun sens d'ailleurs et sur aucun thème d'ailleurs. Mais par contre, c'est vrai que lorsqu'on fait l'acquisition d'un produit, de quelque chose, en général, on se débarrasse d'autre chose. Oui. D'accord ? Donc, voilà. Alors, quand on dit se débarrasser, c'est s'il est encore utile pour quelqu'un, on va le donner. Mais oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Alors, avant de se quitter, vous pouvez cliquer sur la vignette qui viendra tout de suite après le bêtisier. Bon, ne manquez pas ça, ce serait dommage. C'est pas quand même rien. Ouais, 70e prix. Allez, attention. Allez, on va laisser ça comme ouais, ça. Ouais, c'est le sac. Hein, vous mettez un petit Steve à l'intérieur et vous le réduisez de 80% du volume. Ouais, je veux bien. Vas-y, saute. Allez. Un fil qui dépasse, un manque de place, le besoin de faire un trou. Non, un fil qui dépasse. Eh bien, voici le premier objet. Pardon, j'ai mis très mal Pierre Belmar. C'est pas terrible, si. Le premier objet, parce que je sais pas quoi dire, en fait. Lorsque nous avons acheté José, eh bien, vous avez remarqué que... Ben non, pourquoi ils auraient remarqué? Tourne-le, là, je vois que la tranche. Tu vois la tranche? Tu vois ma tronche. C'est drôle, à vous. Hein? Oh, t'as un petit cochon. Avant de vous quitter, merci aux 20 000 abonnés qui ont rejoint la chaîne Philosophie Nomade. Merci à ceux qui vont la rejoindre maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi cliquer sur cette fiche pour découvrir les 12 objets absolument indispensables quand on vit sur les routes. À très bientôt.